apambola yo mutindo yembeli pe obineli na kombo na Yesu Kristo betela yo maboko poete azamo konzio e pomina miso tabo nyoso mofungi saka e to yembela kaye to sanjo la kaye to betela kaye milono poete azamo incomparable il mérite yende azadigne na nyoso. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Sikoyo, sambela po ete kolo, ate a yon apoko ale loto. Sambeli na kobo ne soukisi. Kolo, sambela po moi, tangwe po ki po ete ote a biso. Yangon a miti ki na maboko na yo, ete na trouve cette grâce, yakolo belangay, Seigneur. Pour la croissance, Nangaï, spirituellement, Seigneur, santé spirituelle et croître, santé physique, paix à la malade. Oh, assurer le salut, Kati Nangaï, à travers l'Inoba, oh Yokolo. Oh, sanctifier Nangaï. Oh, Yahweh Zamé, oh, purifier Nangaï. Oh, perfectionner Nangaï. Oh, Bakseranga Boyebi, oh, Bakseranga Kondima. À travers l'idée, il y a pourquoi on a des locaux qu'on peut utiliser puissamment et efficacement. Mon bon salut, na yo oyo bongi si pour la communiquer biso ba oracle na yo. Azala vraiment base d'honneur pour l'usage utile dans ta maison. Comme au jour d'autrefois, il est écrit, tu es descendu sur la montagne de Sinaï et tu l'es parla du haut du ciel. Tu as été lola et l'obéra biso kolo à travers instrument na yo. Na kombo na yo kolo. Mon conge, je peux mon bix, la vie de Jésus-Christ, l'obéi. Amen. Amen. Ok. Zara Siko Tayari, Yambo Tomatisa, prophète. Préoccupation, mon conge, Zara Awa, Tokotangango, intégralement tel qu'il est écrit. Et l'obéi, boy, est-ce que le temps, oui, le temps puise à Zala qui. Pour les canapés et donc est-il vrai que Ayebaki Lissoussou que Wana Azali descendance Yande Konaye Jacob Bongo de Motuna et Duna? Deuxième prophète, si possible, qu'il nous réexplique les tirage au sort sur Bilamba et à Jésus. Et Zala qui combien de parties pour combien de personnes? Moi, frère Didier. Préoccupation à frère Yangwana d'être au télémessie, le ministre de Dieu, prophète Kiala, pour la koya côté à l'Ibotanaza. Que le Seigneur Jésus-Christ apambola moko na moko. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun de nous. Et par la grâce de Dieu, tout monani na katianda konzambe. Et par la grâce de Dieu, nous nous sommes retrouvés dans la maison de Dieu. Il faut na motema na yo ondi maka solo que oyé panzam. Amen. Dans ton cœur, tu sois convaincu que tu es venu devant Dieu.
manière de voir, c'est la même manière que le Seigneur va opérer dans ta vie. Tu n'es pas venu chez un homme. Tu es vraiment venu chez le Seigneur. Que Jésus-Christ apambola yo. Que Jésus-Christ te bénisse. Asalela yo bolamu mingi. Il te fasse beaucoup de bienfaits. Apambola aussi ba oyo bazali kolanda biso en ligne. Que Jésus-Christ bénisse aussi ceux qui nous suivent en ligne. Amen. Que Dieu azala vraiment lumière pour na yo. Que le Seigneur soit vraiment la lumière pour ta vie. Et l'autre est que tout ça le 30 septembre 2021. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes le 30 septembre 2021. Nous allons toujours dans l'enseignement sur les 7 sceaux. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur les 7 sceaux. Nous allons en 4e deuxième sceau par la grâce de Dieu. Nous sommes dans le deuxième sceau par la grâce du Seigneur. Ma question à poser, photo, PSP, écriture. Il faut que nous donnions des écritures comme argument aux questions qui nous sont posées. Et ça, la question, moi aussi, tant on a l'andaki audio, nazaraï, qu'on a un peu enseigné les kaki. Il y a aussi une question lorsque je suivais l'enseignement passé. Bien aimé, à tout naki, le kambouya, le désert d'aigle. Le bien aimé avait posé la question concernant le désert d'aigle. Tant on a le baki, qu'est-ce que Moïse et Élie tambazobima Égypte. Lorsque j'avais dit que ces deux ailes représentaient Moïse et Élie en sortant de l'Égypte. Maintenant, tout n'a qui Moïse et Élie et Gozala quand parce qu'il y a Ibageza. Et donc Moïse et Aaron. Parce que qui Moïse et Aaron tambazobima Égypte. Parce que j'avais dit que c'est Moïse et Aaron lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Des frères a posé une question. Alors les frères m'avaient posé la question. Ibagezaka Moïse et Élie. Lui, il sait que c'est Moïse et Élie. Puis il y a Moïse na Aaron et Gozala quand. Et en ce qui concerne les deux ailes comme Moïse et Aaron, quand est-ce que cela sera? On méprise la question Moutoute. On ne méprise pas la question d'une personne. Donc considère que Moutounio son niveau où ils ont comprendre le bon accueillé à mata davantage. Nous considérons toute personne dans le niveau qu'il a enfin qu'il croisse davantage. Quand tu comprends plus qu'un frère, sache que tu étais aussi comme lui auparavant. Parfois, il m'a quitté sur ma mission que Zoa Matthieu 5, aux autres gangos de ta jeunesse. Parfois, tu cherchais Matthieu dans l'ancienne alliance. Donc, Moutakolak. Un frère grandit aussi dans la foi. Et tu n'as pas dit surtout que. Nous ne voulons pas frustrer les gens lorsqu'ils apprennent les choses de Dieu. Nous disons toujours qu'il y a d'autres questions que Paul, Pierre avait déjà posées pour nous lorsqu'il était avec le Seigneur. Nous avons tout laissé, que gagnerons-nous? Pierre a posé la question. Pierre avait déjà posé cette question en notre faveur. Ça n'a pas de question. Donc il y a des questions, bien-aimés. Pierre a posé que Pierre avait posé, tu t'es dit, moi aussi j'avais des telles questions. Donc on a vie ensemble. Donc dans la vie de Dieu. Donc considère qu'un niveau nios. Nous considérons tous les niveaux des gens. Et nous ne savons pas ce que le Seigneur a préparé sur ta vie. C'est ça l'importance à voir la parole. L'enseignement, lorsque tu suis l'enseignement, qu'on néglige tes. Ne néglige rien. Tu arriveras à un endroit où les gens auront besoin de t'écouter. Considère que l'enseignement est très important. Considère l'enseignement, c'est très important. Les bien-aimés Jean. Ouais, posa qu'il bosse. Le bien-aimé Jean Moula. Jean Moula qui avait posé la question. Que Dieu a pambolaye aussi. Que le Seigneur le bénisse aussi. A posé qui question, il y a deux ailes d'aigle. Il avait posé la question concernant les deux ailes d'aigle. La grâce de Dieu. Là, nous lisons d'abord notre texte et puis nous allons répondre par la grâce du Seigneur. Apocalypse 6, versets 3 et 4, notre texte et enseignement.
Apocalypse chapitre 6, le verset 3 et 4. Pasteur Seba, sans la première traduction en Lingala. Le pasteur Seba va nous aider avec la première traduction en Lingala. Quand il ouvrit le second sceau, Tango afungola kindanga ya mibale, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval. Zalaki motane. Celui qui est monté réussit le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande paix lui fut donnée. Que Dieu bénisse la lecture. Ah, toujours répondre à quelques questions, Isali. Nous donnons des réponses à quelques questions. Totalisa Kibui. Nous avions montré comme ceci. Base à l'écriture. La base des écritures. Ezalaka elobeli ya Nzambe, Nzambe aloba na elobeli ya mabele pe alope na elobeli ya likolo. C'est le langage de Dieu qui a utilisé un langage terrestre et un langage céleste. Wana ifoyebaka makambo Nzambe eza nde bongo. Tu dois savoir que les choses de Dieu sont ainsi. Makambo ya mabele, les choses terrestres, abengango na écriture na ye comme ombre ou image. Le Seigneur l'appelle l'ombre ou l'image dans les Écritures. Vous voyez, si tu te places devant les sources, tu vois ton ombre là qui apparaît. Cela est comparable à tout ce que le Seigneur avait dit dans la loi, les psaumes et le prophète. Ombre. Et l'ilingi. Le lingi moko Christ aza corps. De la même manière, Jésus-Christ est le corps, la réalité. Selon Colossiens 2, versets 16 et 17. Selon Colossiens 2, versets 16 à 17. Ombre naé. Son ombre à lui. Les années, ma prophète. Donc, ce sont le prophète de l'ancienne alliance. Ma mouvement, et c'est là qu'il y a un tout le mouvement qui était dans ces prophètes. Christ aïe dans Jean 5. Le Christ est venu dans Jean 5. Verset 39 à 40. Au verset 39 et 40. La Bible, vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elle la vie. Mais c'est bien elle qui rend témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc Jésus a expliqué que ce que vous êtes écriture. Donc Jésus les expliquait, si tu prends par exemple dans Exode, il faut venir à Jésus. Il faut venir vers lui, Jésus-Christ. Donc, il y a un accomplissement. Viens dans l'accomplissement de cette écriture. Ou dans le corps. Ou dans le corps qui est la réalité. Détopé saka Ecclésiaste 1, verset 9 et 10. Alors nous donnons Ecclésiaste 1, le verset 9 à 10. Ce qui a été, Oyo ezalaka, c'est ce qui sera. Ne oye ozalaka ka. Et Dieu ramène que ce qui est passé. Nzambe azongi saka kaka mayo eleka. Wane zaka ba basi ya enseignement na biso. Là, ce sont les écritures qui sont des bases de notre... Lorsque nous pressons ces choses, même les mamans doivent les maîtriser. Il y a un bon enseignement. Et c'est ça l'enseignement du saint. Il faut qu'on en a beaucoup qui. Il faut que tu parviennes à la perfection. Au moins, vous voyez, le Seigneur est comme ça bien aimé. Ce qui n'a pas l'obéliote, à Robanagotalo, selon Oyo, à Pesakio. S'il ne t'a pas encore parlé, il va commencer à te voir d'après ce qu'il t'a déjà dit. Ce qu'a Pesakio, non, ABC, à Robanagotalo, là, on a ABC. S'il ne t'avait donné que ABC, il va te regarder à travers ABC. Jour à quoi, à Pesio, XYZ. Les jours, il va t'ajouter XYZ, ce sera XYZ. Vous suivez mon langage? Donc, ce que le Seigneur t'a donné, lorsqu'il t'a enseigné,
Réponds-toi. Kangama na kolo. Attache-toi au Seigneur. Bikela misala mala. Vis les bonnes œuvres. Tu les pratiques tels qu'ils sont. Et le Seigneur aussi se réjouit de toi. Mais s'il vient t'ajouter encore le niveau de la prophétie, il faut marcher ensemble avec le Seigneur. C'est comme ça que Jésus-Christ a dit à Israël dans Jean 9. C'est comme ça que le Seigneur avait dit à Israël dans Jean 9. Si je n'étais pas venu et je ne vous avais rien dit, vous ne serez pas dans le péché. Mais comme je suis venu encore vous parler, c'est alors que votre péché commence parce que vous avez rejeté ce que je vous ai dit. Vous suivez attentivement. Le Seigneur l'avait dit dans Jean 9. Donc, il faut mutuni usotambola na marche ko tozo kende. Il faut que tout le monde marche selon la marche que nous faisons. Yangonde kopesa yo différence na mangomba misuso ba makama nzambe te. C'est ce qui va créer la différence entre toi et d'autres églises qui ne connaissent pas les choses de Dieu. La connaissance de Dieu élève et tombolak. Boye bianzambe et tombolaka. Et cela est très important. Que tu saches les considérer. Alors nous avions montré ceci. Que bien-aimé, le Seigneur avait pris d'abord un peuple physique. Les choses qu'il avait accomplies avec ce peuple-là physique. Beaucoup de choses qu'il avait accomplies au milieu d'eux n'étaient que de prophéties. Donc pour le voir dans les livres d'Apocalypse, il faut d'abord les lire comment est-ce que ces choses-là étaient passées. Parce que l'écriture le dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Je donne un exemple. Le programme de Dieu était que lui-même devrait venir nous racheter de la servitude. Mais pour la kisayango, mais pour qu'il puisse le montrer en termes d'image, il a pris le prophète Moïse. Il a fait de lui Dieu. Et directement, il a délivré le peuple par Moïse. Et le bon est le ok. Ce signe-là voulait démontrer. Celui qui viendra délivrer les gens doit être Dieu lui-même. C'est comme ça, Bible, ça. C'est comme ça qu'est la parole de Dieu. Donc, il faut d'abord entendre. Il faut d'abord que tu les lises dans la réalité. C'est alors que tu dois le voir dans la réalité. Comme le sang qui devrait être versé devrait être celui de l'agneau. Véritable agneau qui est Christ. Le véritable agneau qui est Christ. A saléli en Égypte, agneau physique. En Égypte aussi, on a utilisé l'agneau physique. Pour qu'on ait la réalité, pour montrer que dans la Jean-Baptiste à Koloba, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste dira de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah, voilà le balamont pour comprendre que l'agneau en attendant et là nous allons comprendre que cet agneau-là, lorsqu'il va faire l'œuvre de la croix, ce sera la Pâque qui était en Égypte. Que Dieu bénisse. Amen. Tobakisaki elomeli moko oyo tozoya ko bimisa le kambu yaba les ailes de l'Éternel. Nous avions ajouté un autre langage où nous avions parlé des ailes d'aigle. Tobandaki ndengeni. Comment est-ce que nous avions commencé? Totalisaki ke Israël. Nous avions montré que Israël. Moïse ayeki kotala. Moïse était venu les visiter. Moïse a outi na palais royal. Moïse provenait du palais royal. Il est venu les visiter. Bazalaki na souffrance. Ils étaient dans la souffrance. Première fois ayota la bango akuti égyptien. La première fois de sa visite, il a trouvé un égyptien. Azoniokola hébreu. En train de maltraiter un hébreu. Mouyuda. Un juif. Moïse a saragini. Qu'avait fait Moïse? Abomi égyptien. Il a tué l'égyptien.
Cet Égyptien-là, tu ne vois que lui seul. Moïse a que Moïse a tué. Mais cet Égyptien-là seul représenté. Toutes les nations qui avaient combattu Israël dans les passés. Et c'est le Seigneur qui vient. Si le combattre. Les Juifs, Israël a dit qu'à la délivrer. Pour que le peuple qui représente Israël soit délivré. C'est ça cet acte des autres de San. C'est ça le mouvement que Moïse avait accompli sur cet Égyptien. Vous suivez attentivement la Bible. Les jours suivants, Mokolo l'a taqué. Moïse est venu encore. Akuti Mouyoudana Mouyouda Bazo Bendana. Il a trouvé des Hébreux entre eux en train de disputer et se maltraiter. Mouyouda Mokonda Zale Konyokomo Bazakonyokola Moussousou. C'était un de leurs, un qui maltraitait son frère, mais l'autre là n'avait pas ouvert la bouche. Moïse leur a donné les conseils. Vous êtes frères. Vous abandonnez. Vous ne pouvez pas vous maltraiter l'un l'autre. Maintenant, c'est lui qui maltraitait son frère. Moïse. Il a répondu à Moïse. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Maintenant, ce mouvement-là vient. Étienne, rempli du Saint-Esprit. Étienne, au tout du Samanamoli Moussa. Acte 7, Azolobela. Dans Acte 7, a parlé de cela. Maintenant, ensuite. Il a pris l'hébreu là qui parlait beaucoup, qui avait répondu à Moïse. Qui maltraitait son frère qui n'avait pas ouvert la bouche. A considéré hébreu wana lokola Israël. Il a considéré cet hébreu là comme tout le peuple d'Israël. C'est comme ça Bible dit à Maka. C'est comme ça que c'est dans Acte 7. Je prends Acte 7. Parce que faut sur la manière. Parce que le Seigneur fait déjà une chose. Maintenant, il fait entrer cette chose-là dans la prophétie. C'est comme nous parlons sur Édom. C'était Ésaü. Mais lorsqu'il fait entrer Ésaü dans la prophétie, il devient Babylone la grande. Vous voyez Acte 7. Awa Étienne a dit plein à Saint-Esprit. Ici, Étienne était rempli du Saint-Esprit. A bandi mena koloba. Il a commencé à parler. Verset 27. Le verset 27. Nabana 26. Même na 24 pour nous saisir. Il en vit un comme outragé. A moni moko yo basala ki na kunyo kola. Et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappé et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Les jours suivants, il parut au milieu d'eux comme il se battait. Et il les exhorta à la paix. Dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Yoka verset 27, acte 7. Maintenant le verset 27. Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Fais-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite. Nous sommes dans Acte 7. Nous sommes dans Acte 7. Combien de versets 29e? Le verset 29. Et
il alla séjourner dans le pays de Madian. Akendaki kofanda na ye na mboka ba Madian. Où il engendra deux fils. Wapi mose abotaki bana mibali mibali. 40 ans plus tard. 40 ans simana yango. Donc afandaka na Madian 40 ans. Donc il était resté à Madian 40 ans. Un ange lui apparaît. Au désert de la montagne de Sinaï. Dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse a reçu un mandat na ye mission makolongulu. Moïse avait reçu le mandat de sa mission pieds nus. Pour nakotali sake. Pour montrer ici que le rachat s'est fait par Dieu lui-même. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. En verset 34, j'ai entendu ce gémissement et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. T'as la verset 35. Le verset 35. C'est Moïse qu'ils avaient renié. Mose oyo bango ebele babua kaka. Sont-ils avec ce verset? Si tu lis le verset 27. Où tout mon conda renié à Moïse. Ce n'était qu'une seule personne qui l'avait renié. Maintenant verset 35. Maintenant verset 35. Et comme qu'ils avaient renié. Cette personne-là était pluralisée, a été fait plusieurs. C'est comme ça que le Saint-Esprit a prêché en Étienne. C'est comme ça que le Saint-Esprit a prêché. Donc, a vu cet homme-là, Yemoko. Il a pris cet homme-là seul. Oh, y'a télémélé qui Moïse. Qui s'était opposé à Moïse. Ayen verset 35 a comme ici. Israël Moubim. Il est venu au verset 35 et il a fait tout Israël, mais il était seul. C'est comme ça la lecture de la Bible, les Arabes. C'est comme ça que s'est fait la lecture de la Bible. Là, Étienne a zota la moutouana tanga télémélé, moutouana le gotalisa, libota Moubimbe télémé. Là, Étienne a compris par le Saint-Esprit que cette seule personne, c'était tout le peuple d'Israël. Yamonde tokobenga mena moutouana Étienne a mona qui est comme si. C'est pourquoi nous disons que cette personne-là, Étienne l'avait vu comme un signe. C'est comme ça que les apôtres prêchaient la parole. C'est comme ça que les apôtres prêchaient la parole. Dans ce moment-là, madame, dans verset 35, elle dit, c'est Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. Donc, ici, qu'est-ce que Étienne montrait? Ils avaient régné Moïse. Mais c'est le même qui viendra comme libérateur et il sera accepté. Et là, Étienne a pris Moïse comme le Christ lui-même. La parole qui est écrite, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Donc, Lélo, Israël a un peu hésité. Donc, aujourd'hui, Israël n'avait pas reçu Jésus. Mais déjà, le tableau prophétique est allé. Déjà, les tableaux des événements sont là. Donc, comme ils avaient régné Moïse, quand Moïse après 40 ans, c'est seulement Moïse là qu'ils avaient encore reçu après 40 ans. 40 ans, on a mené ça dans l'église. Ces 40 ans, c'est le temps maintenant de la marche de l'église. Dieu bénisse. Amen. Mais, Akoya Kalisus. Mais Moïse reviendra encore. Wana et le moya Moïse lokola Christ Jésus. Et là Moïse est le signe du Christ Jésus lui-même. Moïse aussi a ça comme Moïse prophète.
Moïse est aussi comme lui-même Moïse prophète. Parce que Moïse a Dieu. Parce que Moïse a Nzambe. Selon Exode 7, verset 1er. Selon Exode 7, le verset 1er. Aussi Exode 4, le verset, on a verset 16 à 17. Selon Exode 4, le verset 16 à 17. Azalaki la place en Nzambe pour Aaron. Moïse tenait la place de Dieu pour Aaron. Mais Moïse est prophète aussi. Si Moïse Azali peut Moussa Oli. Sogozui Deutéronome 18, 15, à le dit que l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Zambé a koto kola na katikati na bino Moussa Oli mokolo kola ngai. Dieu bénisse. Amen. Moïse aussi était sacrificateur. Moïse Azali qui peut nganga Zambé. Selon Psaume 99. Selon Psaume 99. Tangi verset 5 6. Tu lis le verset 5 à 6. Tangi est sacrificateur. On a cité Moïse comme sacrificateur. Moïse était aussi roi. Moïse était aussi roi en Israël. Deutéronome 30 verset 33 verset 5. Deutéronome 33 verset 5. Pour le bâtiment on a débit à basso. Nous l'avions dit au début de ce. Il était roi quand s'assemblait Israël. Asalaki mo kondita mo Israël asalaki mo sahan. Donc, ba mouvement nyon so ananzamba za na olenga ko kisaka yango. Donc, tous ces mouvements-là, le Seigneur a une manière de les accomplir. Maintenant, lokola nzambe. Maintenant, comme Dieu. Pona ko kangola Israël na buumbu. Pour délivrer Israël de la servitude. Atindaka Moïse na Aaron. Il avait envoyé Moïse et Aaron. Na Miché 6, Abdankisi, Mariam. Dans Miché 6, il a ajouté Myriam. Donc, Miché 6, verset 4. Miché 6, le verset 4. Maintenant, la suite, Moïse na Aaron. Maintenant, quand il prend Moïse et Aaron, Bangonde Bazali comme les ailes Oyoya utilisa qui pour abimisa peuple. Ce sont les deux là qui sont comme les ailes utilisées par Dieu pour délivrer le peuple. Parce que les ailes étaient sa bouche. Parce que le zèle représente la bouche. Ézéchiel chapitre 1er. Dans Ézéchiel chapitre 1er. Azotali sa ma papou ya ba chérubin. On parle, on montre les ailes de chérubin. Tango ma papou wana ezo kita ezo kutama na loboko. Lorsque les chérubins laissaient tomber leurs ailes, ezalana une voix ezo yoka. Il y a une voix qui se fait entendre. Une voix comme la voix du Tout-Puissant. Le Kola Mongongo, il y a Nzambe Nanguya Yosu. C'est au verset 24. C'est au verset 24. Il y a Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er. Les ailes étaient l'Isaka bouche. Les ailes représentent la bouche. Amen. Ézéchiel chapitre 1er. Verset 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. J'entendis les bruits de leurs ailes. Nayoka ki makele la mapapu na ba. Quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux. Et kokani na makele la ba mai ou à la voix du Tout-Puissant. Tona mongongo ya Nzambe na nguya. C'était un bruit tumultueux. Et ça là qui makele le loko la ya ba te bele bibombe bele. Comme celui d'une armée. Loko la ya mapi. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Dans le verset 25, il y a Ézéchiel 1. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel et tendit sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Tango bazala ki kotele mape ko kweisa mapapu na bango. Donc bakeloube, donc les quatre êtres vivants, donc les chérubins qui sont les quatre êtres vivants. Bazala iko mema lola moko. Donc ils transportaient un ciel sur leur tête. Vous avez une grande vision là. Vous voyez la vision. Maintenant, Nicolas, ciel, on est un trône bleu. Maintenant, au-dessus de ce ciel, il y avait encore un trône en forme de saphir. Mais trône on a bleu et saphir. Maintenant, ce trône là de saphir, bien aimé, il y avait quelqu'un, à mon avis, une figure d'homme. Ils avaient vu le coup de l'ongiamoutou, Nicolas Gwende. Il y a un appel à ça dans Apocalypse 1. C'est la même personne là qui est dans Apocalypse 1. Dans verset 13. Au verset 13. Qui marche au milieu des chandeliers. Ou à ça là qui n'a pas de temps pour la katikatsa ni pénélomie. Totalisant qui est
aujourd'hui l'église où ils allaient les chandeliers. Nous avions montré qu'aujourd'hui l'église qui est les chandeliers. Le Seigneur est dans l'église comme fils de l'homme. Le Seigneur est dans l'église comme le fils de l'homme. Depuis l'ère ma pierre va sur la terre. Depuis que les apôtres étaient sur la terre. Azalaki comme fils de l'homme dans quatre églises. Il était comme fils de l'homme dans l'église. Votre besoin qui 1 Pierre 4 verset 17. Parce que nous avions pris 1 Pierre 4 le verset 17. Et le bien les jugements et kubanda na église. Et Topesaki, Jean 5, verset 27. Et nous avions donné Jean 5, le verset 27. Le Père lui a remis les jugements parce qu'il est fils de l'homme. Donc, fils de l'homme, c'est un juge. Donc, le fils de l'homme, c'est le juge. Azo jugé par la lumière où ils allaient la parole au milieu de nous. Par la lumière où ils allaient l'oba. Maintenant, Zalagi, le trône des aïeux du colon va être vivant. Maintenant, le trône était sur la tête des êtres. Et maintenant, va être vivant de Bazako Mema, trône. Maintenant, c'était les êtres vivants qui transportaient ces trônes. Bazalagi 4. Ils étaient au nombre de 4. Moko na moko azo kende liboso na ye. Donc, un des êtres vivants allait devant. Et l'autre aussi allait de son côté. Et l'autre aussi allait de son côté. Et l'autre aussi allait de son côté. Donc, ils allaient du nord, sud, est, ouest. Donc, ils allaient comme dans tous les quatre coins de la terre. Cela veut dire qu'ils allaient étendre le royaume. C'est-à-dire qu'ils allaient fongola, penza makolo makasi. Mais même qui ciel, ils allaient qui sans fin. Ils avaient porté sur leur tête les ciels infinis. Et aussi la carte ciel. Ce ciel-là est infini. Vous aurez la malade. Vous suivez attentivement. Et à mon ébazomim. Et c'est ce qu'ils transportaient sur leur tête. Et à mon étourdissement, comme un soldat cible. C'est pourquoi nous allons entrer dans le problème des soldats. Et parce que tant que maintenant, par vous quittez les papes. Parce que là où ils feront tomber leurs ailes. Bazolo baboui. On dit ceci. Voix ébazomim. Donc il y a une voix qui sortait là. Les papous, c'est une bouche. L'aile, c'est toute une bouche. Parce que les papous, ça va être messager. Parce que l'aile, c'est comme les messagers, celui qui apporte la nouvelle. Odindami. Donc, un messager, un envoyé. C'est celui qu'on a malin. Ah. Donc, maintenant, on dit que lorsque les chérubins faisaient tomber leurs ailes, ce signe-là représente les repos, les sabbats. Donc, c'est comme si ma kiti, ma papou, ma mounios. C'est comme si ils tous font tomber leurs ailes. Ils ont dit ça, sabbat. Cela représente les sabbats, les repos. Parce qu'ils avaient dit repos. Parce que c'est comme les repos, ils se sont. Maintenant, l'air à repos, les gamins, les arémas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant les repos? Une voix qui quitte le trône. Mais qui sort par les ailes des chérubins qui étaient tombés. Et c'est ça l'écriture. Amen. Donc la voix de celui qui est sur le trône, lorsqu'il y a le repos, donc c'est ça, la voix là du trône sera dans l'aile des chérubins. Maintenant, l'aile est aussi expliquée. Maintenant, l'aile est aussi expliquée dans la Bible. Dans Malachi 4, il dit que le soleil a deux ailes. Dans elle, il y a guérison. Dans Malachi 4, on explique verset deuxième. Que les ailes du soleil ont la guérison. Maintenant, l'écriture s'interprète quand il y a un mot. Maintenant, l'écriture s'interprète elle-même. L'écriture est un vieillard et n'aime pas d'assistance. Donc, elle est vraiment vieillard. L'écriture est vraiment un vieillard. Il y a aussi un proverbe 13. C'est pourquoi si tu lis proverbe 13, verset 17. Le verset 17. Sangi Sangona, Malachi 4, verset 2. Il faut l'associer à Malachi 4, le verset 2. Dans Malachi 4, Balobi. Dans Malachi 4, on dit. Nazo aura une portion. Je prends seulement une portion. La guérison sera sous ses ailes. L'obique que vous allez nasser à ma papounaïe. Nous nous faisons bien entendre. Guérison, ils en ont ma papou. La guérison sous les ailes. Maintenant, ton look place guérison, ça là. Maintenant, nous cherchons là où se trouve la guérison. Voyez autant à Proverbe 13, verset 17. Nous lisons maintenant Proverbe 13, le verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un envoyé méchant tombe dans les malheurs. Motindami a yaouli a kweaka na makaumakasi na poil. Voyez le verset 17e, il y a Proverbe 13. Le verset 17, Proverbe 13. Mais un messager fidèle apporte
apporte la guérison. Kasi momemi sango ya mosembo amemaka lobiko. Mena Malaki 4:2 babimisi messager et elle li papou. Mais dans Malachie 4:2 on dit que le messager c'est l'aile. Parce que li papou est en la guérison. Parce que l'aile a la guérison en elle. Mais li papou a ebengami motindami. Mais ici l'aile est appelée comme un envoyé, un messager. Parce que ponani, parce que messager a zopé sa guérison. Parce que ce messager apporte la guérison. Kuna na Malachie 4 ça dit li papou ndezo yana guérison. Et là-bas dans Malachie 4 c'est l'aile qui apporte la guérison. Mais dans Proverbe 13:17 ezande messager ndezo yana guérison. Mais dans Proverbe 13:17 c'est le messager qui apporte la guérison. Cela veut dire elle c'est le messager. Cela veut dire que l'aile représente le messager. C'est pourquoi nous avions vu le soleil dans Matthieu 17. Dans verset 2, au verset 2, Jésus-Christ s'est transformé comme visage comme le soleil. Yeso pongwana ki akoma ki longi lokola moyi et ma papou na yebimi. Et ses ailes étaient apparues. Ma papou plaçonné ça Moïse na Élie. Et là-bas ces ailes là c'était Moïse et Élie. Ce sont des messagers et ça li batindami. Est-ce que vous suivez attentivement? Enseignement, il faut y bayango. Il faut bien maîtriser cet enseignement, bien-aimé. Pour parce que les diables abattent un cheval blanc. Parce que les diables montent aussi sur le cheval blanc. Il y a koloba. Cela veut dire. Akoye la yo enseignement lukuta. Il va t'apporter aussi un faux enseignement. Lumière, qui apparaîtra comme une lumière. Terre, mais ce n'est pas une lumière. Ils en a posé conditionnaire. Mais cela a besoin de te faire entrer dans le. Parce que ce qu'on dit enseignement m'a bien au commun en zambete. Parce que si tu crois à un faux enseignement, tu ne verras pas le Seigneur. Même si on ne te voit pas pécher, tu ne verras pas le Seigneur. Le fait seulement que c'est un faux enseignement. Parce que faux enseignement, c'est l'idolâtrie. Oui, t'es l'idée à ma baisa pour kumba melekeko. Vrai enseignement, déjà, on zambé à et le vrai enseignement, c'est ça la vraie divinité. Et ça, la doctrine, nous sommes allés ici, nous sommes allés ici, nous sommes allés. C'est la parole. Il y a d'autres enseignements où on ne les a pas vraiment à craindre le Seigneur. C'est ça la parole. Mais ils n'ont pas l'enseignement. Salut les autres. Il n'y a pas le salut. C'est par l'enseignement que salut les autres. C'est par l'enseignement. L'idée a de l'obico les amis. Diable a ça la gueule, on est avec profit. Le diable fait toutes choses avec intérêt. Aïe, puis ça, quand on Job, hein? Il avait dit à Dieu dans Job. As-tu vu mon serviteur Job? Tout ce que l'homme a, il le donne pour sa vie. Permets tout seulement à sa chair et il te réunira. Les diables connaissent. Les diables savent. Lorsqu'il te combat, ce n'est pas en vain. Aïebi que ceux qui ont négligé l'enseignement. Il sait que si toi tu négliges l'enseignement, c'est vraiment la perte du salut pour toi. Vous aurez un malam? Parce que Pierre, dans 2 Pierre 3, verset 14, 10 à 16. Parce que lorsque Pierre parle dans 2 Pierre 3, les versets 14 à 16. Nous les lisons au nom de Jésus-Christ. Il dit ceci. Vous voyez les choses de Dieu. Donc il faut être là en train de lire un livre pour seulement savoir ce que tu lis. Exode. Tangi Deutéronome. Tu lis Deutéronome. Tangi Nom. Tu lis Nom. Savoir l'histoire qui est dans ces livres. C'est notre loi. Et ça, mon bébé, qu'on a mis ça. Et ça, on a pays, ma émi constitution. C'est comme quelqu'un qui est dans un pays, mais qui ne connaît pas. Si, ma constitution. Mais on va te mentir. Vous êtes là, madame? Vous suivez attentivement. Ah. Parce que nous, il faut. Parce que tu dois savoir veiller sur toutes choses. Dans 2 Pierre 3, verset 14.
à 16. 2 Pierre chapitre 3, le verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Donc, ceux qui ont été mabés, donc, si tu interprètes mal les choses, tu ne verras pas non plus le Seigneur. C'est comme ça que les apôtres ont prêché. C'est comme ça que les apôtres ont prêché la parole. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, verset 1er. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 1er. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Dans la verset 2e, il y a 1 Corinthiens 15. Et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez crié en vain. Croire en vain, cela veut dire que tu ne seras pas. Donc, si tu décris seulement l'enseignement de Paul, c'est ce qu'il a prêché. Ozoaka connaissance et l'eau comme ça noté dans ta vie, maman. Ne prends pas la connaissance de Dieu comme un divertissement, un passe-temps. Non. Zala n'a pas savoir prendre un frère. Avoir le désir d'apprendre toi un frère. C'est très important. Et Zali Moutouya. Parce que la connaissance est une promesse. Et te voyez bien Zali. Et la case. Zamba prédestiné qui est déjà bien avant la fondation du monde. Le Seigneur l'avait déjà bien prédestiné avant la fondation. C'est 1 Corinthiens 2e. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 6. Le verset 6. La 7. Et 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Zotanez Ali, Boye, Bito, Boya, Oyo, Tosote, Anakatikata, Bato, Bakoka, Bé. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Donc, la connaissance. Donc, c'est comme une marchandise préparée par le Seigneur avant la création. Donc, le Seigneur l'a bien préparée. Maintenant, nous l'avons aujourd'hui. Mais maintenant, comment nous tout? C'est quoi la connaissance? Dieu a préparé ça avant les temps. Mais maintenant, le Seigneur nous l'a donné aujourd'hui. Il faut avoir le désir d'écouter, de connaître les choses de Dieu. Parce qu'il a dit que le prince et le chef de ce siècle va comprendre la sagesse en côté. Il avait dit que les princes et les chefs de ce siècle ne comprendront pas cette sagesse. Dieu bénisse. Amen. Donc, on a d'abord. Ça, je suis en train de te montrer que
La connaissance est à très étude. Boyebi ezali motu ya makasi. L'el oyezobi misa voix na se voix ezouta na trône. L'el qui fait sortir la voix sur la terre, cette voix là provient du trône. Et l'el c'est un messager. Et l'el c'est tout un messager. Envoyé. Oya tindami. Or, ben envoyé zanaki Moïse et Aaron. Or, les envoyés étaient Moïse et son frère Aaron. Bangonde Zamba Lobeli na Exode 19, verset 4. C'était eux que le Seigneur avait parlé dans Exode 19, le verset 4. Les désert d'aigle Oya Memaka Israël. Ma papou mi balé à pombo Oya Memela Isanele. Mais Bangona mi balé baza Elembo ya Oye Koya na Apocalypse 11. Mais c'est Moïse et Aaron ne sont que les signes de ce qui viendra dans Apocalypse 11. Maintenant, dans Apocalypse 11, des alliés, Moïse et Élie. Maintenant, dans Apocalypse 11, ce sera Moïse et Élie. Mais il faut y voir que tous sont Moïse, tous sont Élie. Mais il faut savoir que ces deux-là sont Moïse, ces deux-là sont encore Élie. Là, tu peux expliquer quand? Là, nous allons l'expliquer. Dieu bénisse. Amen. Donc Zamba m'emi angoan. Donc le Seigneur l'a amené là-bas. Mais Zambé attaqua aussi Marie comme envoyée. Mais le Seigneur avait aussi cité Marie comme envoyée. Dans Michée 6, verset 4. Dans Michée 6, le verset 4. Michée chapitre 6. Michée chapitre 6. Dans verset 4. Au verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tanki na kombone su Christo. Michée 6, verset 4. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Oui, tengai na bimisio kouta mboke zipito. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Na kango liyo na ndako ya bouumbu. Nazara verset 4, mais Michée 6. J'ai envoyé devant toi Moïse. Natindela kio Mose, Aaron, Alona et Marie. Namania. Zambatinda trois envoyés. Le Seigneur a envoyé trois envoyés. Vous aurez un amalam. Vous suivez attentivement. Pourquoi attendre Marie lokola motindami? Pourquoi le Seigneur avait cité Marie aussi comme une envoyée? L'écriture dans 1 Corinthiens 13, verset 2. L'écriture dans 1 Corinthiens 13, le verset 2. Et le dit, même si j'ai la prophétie. Attends, ce qui n'a zali na lisakoli. Vergil. Bah, je vais expliquer maintenant la prophétie zali. Maintenant, on explique c'est quoi les dons de prophétie. La science de tous les mystères. Où est zali, zébito, moyebi, yamaïnion, ce bomba. Dans ce qui est l'ouk, c'est un coup bomba. Donc, si quelque chose est mystère ou caché. Les prophéties peuvent monde. Donc, la prophétie doit voir cette chose donc, cachée. Zébia, oui, bomba. Donc, la connaissance de ce qui est caché. Donc, ni le bénimoussou sous prophétie, ça a lumière. Donc, dans un autre langage, la prophétie, c'est la lumière. Or, Zambé, la création, tant à l'homme que la lumière soit. Or, le Seigneur, en disant que la lumière soit dans la création, à Monaka, la lumière est là qui bonne. Il avait vu que la lumière était bonne. À séparer la lumière avec les ténèbres. Le Seigneur l'avait séparé avec les ténèbres. Et il appela la lumière jour. Pé, à Benga qui pole mon colo. Donc, lumière est déjà dans le combo jour. Donc, la lumière porte déjà le nom de jour. Vous aurez un amalam. Vous suivez attentivement. Il y a un bon alobi quoi Israël. C'est pourquoi pour le salut d'Israël. Lorsqu'il le fait sortir de la servitude. Dans Michée 6, 4, alobi a utilisé Moïse. Dans Michée 6, le Seigneur dit qu'il a utilisé Moïse. Moïse a un esprit à prophétie. Moïse a l'esprit de prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est une lumière. L'esprit de la prophétie, c'est une lumière. Donc Moïse, c'est un jour. Donc Moïse, c'est un jour. À Tindaki, Aaron. Il avait aussi envoyé Aaron. Aaron aussi, c'est un prophète. Aaron aussi, un prophète. Par rapport à Exode 7, verset 1er. Par rapport à Exode 7, le verset 1er. Or, l'esprit à prophétie. Or, l'esprit des prophéties. C'est une lumière. Et ça lit Paul. Aaron aussi, c'est un jour. Aaron aussi, mon colo. Marie. Malia. Ce matin, il est Exode 15. Si tu lis Exode 15, à partir du verset 21 à 22, Marie la prophétesse. Au verset 22, on l'a appelée Marie Mosakolia Moisi. Azaki l'esprit à prophétie. Donc, elle avait aussi l'esprit de prophétie. C'est un jour. Azape Mokolo Mobimba.
Donc délivrance à Israël ezakana 3 jours. Donc les délivrances d'Israël à 3 jours. 3 jours wana lembo ezalaka Moïse, Aaron, Marie. Et ces 3 jours là en signe sont Moïse, Aaron et Marie. Ponani nzamba tindak a tangaka mwasi comme envoyé. Pourquoi le Seigneur avait aussi cité une femme comme envoyée? Ezali po asalela Ésaïe 66 verset 13. C'était pour accomplir Ésaïe 66 le verset 13. Parce que nous sommes dotés à Isaïe Natina. Parce que tout ce que nous prêchons est important. Après tu retournes à Osée 6. Après nous lirons Osée 6. Sous Ésaïe 66 verset 13. Ésaïe 66 le verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme un homme que sa mère console. Lokola mobali oyo mama na yazo bondisa. Ainsi je vous consolerai. Ngai pe na ko bondisa kabino. Je serai consolé dans Jérusalem. Le Seigneur montre Israël dans le malheur que vous aurez à passer. Moi, le Seigneur, tel qu'il a dit, je viendrai comme une mais pour venir vous consoler, vous, mon enfant. À te comprendre pourquoi Atamaki parmi les envoyés, Marie. Et nous comprenons maintenant pourquoi il avait cité Marie parmi les envoyés. Ce qui a été, Oyo Ezala, c'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé. Sabia Soki Sakakaka Mayolika. Lokola Tanga 3 jours. Comme le Seigneur avait cité 3 jours. Pour la délivrance du peuple Israël. Pour la délivrance du peuple. L'éloyo Israël a quoi qui la parole. Aujourd'hui, Israël a rejeté la parole. Or, c'est la parole qui délivre. Or, c'est la parole qui délivre. La parole de l'Ongolangana Boumbo. C'est la parole qui fait quitter la servitude. Yango Paul a dit que Israël sikoyo aza en esclavage. C'est pourquoi Paul a prêché qu'aujourd'hui, Israël est dans l'esclavage. Sokotangi Galates 4. Si tu lis Galates 4. On note à partir du verset 21 à 27. Tu notes à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Alors, Jérusalem actuel, c'est Agar. Jérusalem est à Sikoyo de Moisi Agar. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Oyazali na boumbu na bananaël. Israël est là, Azana boumbu. Pobiso tozana bonsomi. Israël aujourd'hui est dans la servitude et nous sommes en liberté. Pour aboua qui oyasikolaka. Parce qu'il avait rejeté. Les rédempteurs. Paul ici que Zara et Paya Jésus-Christ. Parce que la rédemption n'est qu'en Jésus-Christ. Mais il y a Paul Jésus. Mais lui il a régné. Et Zanet et Boutaza possédé par les esprits mauvais. C'est comme une personne possédée par les démons. Ma boy Jésus a mon cabola manéni. Mais il a refusé Jésus. Comment serait-il? Il y a ma bé comment qui s'en manifeste. Les esprits mauvais vont encore s'ajouter pour les posséder davantage. Yangonde le Seigneur expliqua qu'Israël comme un homme qu'on a délivré. C'est pourquoi le Seigneur avait cité ou montré Israël comme un homme qu'on a délivré. Dans Matthieu 12. Dans Matthieu 12. Mais Moulimou et Bimaki et vide. Mais l'esprit qui était sorti, en venant visiter encore la maison, il a trouvé la maison vide. On a dit que lorsque l'esprit a regardé cet esprit-là est rentré pour aller prendre cet autre démon plus méchant. Et nous le verrons dans l'Apocalypse. Cette corne à bête. Donc cette tête plutôt. Cette tête. A mis tout ça. Cet autre. Pour envahir cette maison. Donc ils viendront envahir cette maison. Cette maison est habitée. Cette maison n'est pas nous l'église. C'est la génération. Jésus l'avait appelé Ekekewana Banaïsaline. C'est Israël. C'est Israël. Le Seigneur est la délivrance. Le Seigneur a porté la délivrance. Jésus Ndako et Tikali vide. Mais ils ont refusé de recevoir Jésus et la maison est restée vide. Mais tous vraiment une exhortation. Mais nous les prenons aussi en exhortation. Mon frère, lorsque tu es délivré, remplis ta vie de la parole. C'est l'exhortation que nous donnons. Mais prophétie le belagande natina Israël. Mais prophétiquement, ça parle du peuple. Israël a sa vie. Israël aujourd'hui est vide. L'ennemi d'Azo remplace à dominer. C'est l'ennemi qui remplace pour dominer ce peuple. Tous vraiment nous attendons bien.
Israël a lié l'esclavagisme. Israël est lié dans l'esclavagisme. Or, pour qu'il soit délivré de l'Égypte, le Seigneur a utilisé 3 jours. Le Seigneur avait utilisé 3 jours. Le lingue mokope. De la même manière aussi. Pour délivrance na yesalema. Pour que sa délivrance soit opérée. Et ça na 3 jours où ça na osé 6. Il y a 3 jours qui se retrouvent dans Osée chapitre 6. Les premiers jours. Les 2 premiers jours. Et Moïse na Eli. Donc c'est ça, Moïse et Eli, les deux. Parce que le jour veut dire lumière. Parce que le jour veut dire la lumière. Lumière, c'est la science. Et la lumière, c'est la science. L'esprit à prophétie. L'esprit et la prophétie. Mais après ces 2 jours. Mais après ces 2 jours, bien aimé. Troisième jour, le Seigneur roi Koyan Armageddon. Le troisième jour sera le Seigneur qui viendra dans la bataille d'Armageddon. A Kokuta Bangona fausse adoration. Il viendra les trouver dans l'idolâtrie. Mais à Kolimbi Sabango Kakambo, à Koya comme une mère. Mais le Seigneur va les pardonner parce qu'il viendra comme une mère. Yende maintenant véritable mari. Et c'est le Seigneur qui sera véritable Marie la prophétesse. Donc Marie la prophétesse. Donc Marie la prophétesse. La réalité, dans la réalité, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient comme une mère en Israël. Même les lobos Même aujourd'hui, pour nous pardonner, nous recevoir, il avait accepté de venir comme une femme. Parce que Christ, dans son œuvre, c'est la faiblesse de Dieu. Oui, que Christ, on a moussala, na yende motaoui en zambé. Amen. Lorsqu'ils regardent les nations dans leur idolâtrie. Mais pour aller vers les nations. Mais pour venir vers les nations. C'est comme une mère. Le cola mama penza. Alimbi ça c'est pour la koyambadiso. Donc pardonner, accepter de nous accueillir. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que réponse à notre question clairement. Donc cette réponse là nous l'avons donnée. Si on tangue Osée 6 au comment on va se remettre à 3 jours. Si tu lis Osée 6, tu verras qu'on parle de 3 jours. 3 jours on est en Moïse, Élie et Jésus-Christ yemoko. Et ces 3 jours là sont Moïse, Élie et Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ azali comme véritable Marie, comme véritable Jésus-Christ mère. Et comme véritable Marie, la mère, la femme. Et les Kambaba soldats aussi doivent expliquer qui yango. En ce qui concerne les soldats romains, nous l'avions déjà expliqué. Totalisa d'abord boyé. On avait d'abord montré comme ceci. Tolobaki. On avait dit. Et l'amba ya mosakoli talisaka royauté. C'est d'abord ça. Les vêtements du prophète représentent la royauté, bien aimé. Toujours dans l'écriture, nous prenons 1 Samuel chapitre 15. Tant que Samuel a reproché Saoul, lorsque Samuel reproche Saoul, Nalikambo a salaki, a outi combat na ba Amalécite, après les combats qu'il avait livrés contre les Amalécites, mais aïe na ba biloko mususu, mais il avait amené d'autres butins. Verset 23. Voilà Samuel a reproché. Tiens à 25. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Oui, t'es. Kozanga boto si ezali pembe baloko la kosala bonganga. Nazana 1 Samuel 15, verset 23-25. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Bekote le melanzambe ezalite moke ko le kaposambe na bikeko. Et le teraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, lokola yo kwa ki lobanzambe, il te rejette aussi comme roi. Yepe a kwa ki lokola mokonzi ya Israël. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et Saoul a dit à Samuel, na sumuki po na buki mobeko ya Yahweh. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné les peuples et j'ai écouté sa voix. Maintenant je t'ai pris, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saoul, verset 26, je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Verset 27.
1 Samuel 15. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saul le saisit par les pans de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. C'était l'habit du prophète. Et ça là qui est là-bas aussi. L'habit du prophète, veut dire royauté. Et là-bas, ça colline beaucoup. Est-ce que vous suivez l'écriture? On suit 1 roi 11. Vous prenez 1 roi chapitre 11. À partir du verset 33e. À partir du verset 33. 1 roi 11. L'écriture et le biboui. L'écriture dit ceci. Nabal même na 30. Verset 30. Achish a saisi le manteau neuf qu'il avait sur lui. Mosakoli Achish a azui mon côté à sika oya la. Les déchira en 12 morceaux. Mais à basola qui a mon habité disomibi. Et dit à Jéroboam. Mais à Yébisi Jéroboam. On a combien à verset 31. Il y a un roi 11. Prends pour toi 10 morceaux. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher les royaumes. Donc ici, l'événement du prophète signifie le royaume. Bokondi. C'est ce que nous avons. Donc on est passé qui, comme ses vêtements étaient déchirés, et que je vois ensuite des morceaux de Goloba, ça m'a dit pour le royaume. Cela veut dire que le Seigneur arrache le royaume. Mais Jésus a annoncé qu'il dans Matthieu 21. Mais Jésus avait annoncé dans Matthieu 21. Le royaume vous sera enlevé, Israël. Et une nation. Et sera donné à une autre nation. Le royaume est avec l'ambaye à prophète. Le royaume, c'est l'événement du prophète, frère. Jésus a zokoufani étant prophète. Jésus meurt nu étant prophète. Parce que tout le monde a écrit que Jérusalem, Jérusalem, qui dit les sacrificateurs. Parce qu'il n'y a aucune écriture qui dit Jérusalem, Jérusalem, pour yon pour makabanga zambé. Yesu tam azokoufa, Isaac azokoufa te comme ganganza. Jésus en mourant sur la croix, il ne mourrait pas comme sacrificateur. C'est comme prophète. Asala qui koufane le kola moskoli. Mais c'est écrit dans Matthieu 23. Et c'est écrit dans Matthieu 23. Jérusalem qui tue les prophètes. Jérusalem, oh, aboma kabasapoli. Parce que la vie du prophète, c'est la royauté. Oui, t'es là-bas pour s'appeler mon koumou. Maintenant, la royauté, ce sont les êtres vivants de Batambola Kana trône. Et la royauté est portée par les êtres vivants, le trône. Tout le monde a qui en Ézéchiel 1 a des biens. Au début, on l'avait vu dans Ézéchiel chapitre 1er. Maintenant, Elembo. Maintenant, les signes de cela. Ezande, ma soldat. Donc, ce sont ces soldats-là romains. Bazala, il faut qu'à base à la place où on a. 4. Il fallait qu'il ne soit qu'au nombre de 4. Parce que dans la réalité, ça en est 4 êtres vivants. Parce que dans la réalité, ce sont les 4 êtres vivants. Mais Moko, il faut avoir portion double. Mais Moko, il faut avoir un des parts. Doit prendre 2 parts. Il y a un autre hôtel, ça va comme lion. C'est pourquoi nous représentons cela comme le lion. Le trône est à la réalité. Le trône appartient au lion. Mais lion passe parmi les 4 êtres vivants au bazar tout autour du trône. Mais le lion est aussi parmi les 4 êtres vivants autour du trône. Balobite ke bilamba Jésus ba pasola ki ango. On n'a pas dit que l'événement de Jésus on les avait déchirés. Ba kabola kinde. Ils s'en étaient partagés. Tozola na malam. Suivant attentivement, l'écriture est bien dedans. C'est ce que dit l'écriture. L'écriture est autorisée, vous voyez. L'écriture montre ceci. Dans Jean. Jean est au Baboué. À partir du verset 23e. Jean dit ceci au verset 23.
très patient. Lorsque je travaille, j'aime être très patient. Mutema mulai. Ce qui ma question est, il faut répondre en vraiment avec plus d'arguments pour vous en ango. S'il y a des questions, je dois les répondre avec plus d'arguments afin que vous maîtrisiez bien l'enseignement. Bonjour, les a toujours continuer. Il y a des jours, nous allons continuer avec l'enseignement. Aujourd'hui, Jean 19. Jean 19. Verset 23. Le verset 20. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts. Ses vêtements et ils en firent quatre parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui sera, à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Tunique ezalaki sans couture. La tunique était sans couture. Ezalaki kotalisa royaume éternel. Cela représentait le royaume éternel. Parce que mutu atongi yango te. Parce que elle était sans couture. Ozola na malamu. Suivez attentivement. Mais azwaki aussi ce même royaume. Mais il avait apprécié au milieu du peuple comme royaume trône na David. Mais il avait pris cela et l'a donné au milieu du peuple comme le trône de David. C'est ce que nous voyons comme du dehors. Mais sans couture, c'est le royaume éternel. Donc la parole éternelle. La parole éternelle. Ce n'est pas un homme qui l'a cousu. C'est pourquoi ils avaient sans couture. C'est pourquoi elle était sans couture. Amen. Maintenant, tant que moni bazui, oye alikolo ba pesi quatre parts. C'est pourquoi quand tu vois qu'on a pris les vêtements par dessus, on a fait en quatre parts. Ezotalisa elembo ya quatre êtres vivants. Cela représente les quatre êtres vivants. Mais moko azwaki de plus. Mais l'un d'entre eux avait pris le double. Aza elembo lion. C'est le signe du lion. Nous sommes dans la Amen. Parce que va être vivant dans le lion, l'aigle, l'homme et veau. Parce que les êtres vivants sont lion, l'aigle, le veau et l'homme. Nous sommes dans la Amen. Tous ces êtres vivants. Et les monabango na marche à Israël. Leur signe dans la marche d'Israël. Et ça là qui quatre bannières na katia peuple. Et ça là qui va bénir les minéi na katia libota. Et ça na nombre deux. Cela se trouve dans nombre chapitre. C'était parmi le peuple. Donc quatre bannières du peuple. Et ça, cela représentait. Et l'embo, le signe. Yakoloba, bikela momine na katia libota. Démontrer les quatre êtres vivants au milieu du peuple. Parce que tant que basala qui tabernacle. Parce que lorsqu'ils avaient érigé les tabernacles. Le Seigneur a dit dans Exode 25. Le Seigneur avait dit dans Exode 25. J'habiterai au milieu d'eux. Na ufanda ka kati kati na bango. Donc ils avaient dit trône. Donc les tabernacles étaient comme le trône de Dieu. Et il fallait quatre bannières. Ils avaient dit quatre êtres vivants. Mais il fallait qu'il y ait quatre bannières tout autour du tabernacle. Le lenge mokonengi toza église du Seigneur. De la même manière comme nous sommes l'église du Seigneur. Le Seigneur a za na kati na biso. Le Seigneur est au milieu de nous. Mais quand il est au milieu de nous. L'écriture et le Bible na pso. L'écriture dit ceci dans pso.
L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Moi, je loue Yahweh Azalaka Tinga Tinga Bayon Sobabanga. Donc, quatre bannières, on a toujours l'ange de l'Éternel. Donc, ces quatre bannières ne représentent que l'ange de l'Éternel. Parce qu'il campe tout autour. Pour être à Kenge Nakawana Zinga Zinga. Campement Ezawan. Le campement, c'est lui-même l'ange de l'Éternel. Il campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache des dangers. À Kenge Nakawana Zinga Zinga Bayamaba Telaka. Alors, ce que les quatre bannières là veut dire lui-même. Il montre que ces quatre bannières là c'est lui-même. Dès y a mon en réalité, tout ce monde a comme les quatre êtres vivants. C'est pourquoi dans la réalité nous les voyons comme les quatre êtres vivants. Dans quatre premiers sauts. Dans les quatre premiers sauts. Où ils ont bien Jean vient. Qui appelle Jean de venir voir. Tout cela n'a malin. Amen. Ah. Viens voir. Yaka Betala. Et ces quatre êtres vivants, ils ont toujours lui-même l'ange de l'Éternel. Et ces quatre êtres vivants, ils m'ont comme moi, je lui ai Yahweh. Yamoto Lobagi, que tant problème, les alliés à ma persécution. C'est pourquoi nous avions dit que lorsque les persécutions, les tribulations arrivent, Dieu a Zoya Nakatina Lokola veau. Le Seigneur vient en toi comme l'être vivant qui est le veau. Pour t'enlever la terreur de la mort. Tala. Écoute. Ce qui missionne en exilité. Si la mission n'est pas encore finie. Le Seigneur n'a pas interdit de fuir. Aux yeux occasion que bazobo ma bato pour na combat Jésus. Aux yeux occasion kokima. Tu prends un couloir de fuir ou là où tu as entendu qu'on tue les gens. Fuis, frère. Bakanaki Paul Pobabomaye. On avait prévu de tuer l'apôtre Paul. Le fils de sa sœur est venu le lui raconter. Alobi programme mes aléawa. Ba juif. Juif aso kila. Il y a des Paul. Les juifs qui jeûnent seulement dans le but de tuer Paul. Bah ibisi Paul. On a dit à Paul. Paul a gagné pour se livrer pour moi. Paul n'était pas allé se livrer pour qu'on puisse le tuer. Babomba Paul n'a pas attaqué Tunga. On avait caché Paul dans la le panier, panier. Dans le panier. Paul a dit mon cousin. A coquille m'a n'a pas panier. Vraiment. Bakitisiye na fenêtre. On l'a fait descendre à travers la fenêtre. Bakimisaye. Et on l'a fait fuir. Parce que son temps n'était pas encore venu. Lorsque le Seigneur l'a dit que ton œuvre a pris fin, je vais Jérusalem. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, prophète Moko Agabus, un prophète nommé Agabus, a simi ceinture. Il a pris la ceinture. Alliant. Il s'est lié. Il a dit les propriétaires de cette ceinture. C'est la même manière on les liera à Jérusalem. Maintenant les frères ont commencé à l'exhorter. Ne te rends pas à Jérusalem. On va te lier. Maintenant cet endroit là, qu'est-ce que je suis déjà prêt. Nazali. Déjà. Non seulement pour souffrir. Non seulement pour souffrir. Mais même qu'on couffe pour la Christ. Même donner ma vie pour Jésus Christ. Là, Dieu a possédé un esprit à veau. Là, le Seigneur l'avait possédé par l'esprit du veau. Vous êtes en amalan? Suivant. C'est toujours l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui les craignent. Et ça, quand Zambé ou Yazala qui cause la zinga zinga bayo baba. A coco camper comme lion? Il peut camper comme le lion. A coco camper comme veau? Il peut camper comme le veau. A coco camper comme l'aigle? Il peut être là aussi comme l'aigle qui vole. A coco camper comme l'homme? Il peut camper aussi comme l'homme. Toujours autour de son peuple. Toujours autour de son peuple. Et Dieu bénisse. Zambé à pas pour la vie. Et que la grâce du Seigneur soit à Nicolas Nayo. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Il y a un message aussi de comme soit posé une question sur le 12e apôtre. Il y a aussi une question d'un frère sur le 12e apôtre. Mais pasteur Seba déjà pensé qu'il attend la Bible écriture. Mais le pasteur Seba avait déjà fait la lecture de cette écriture. Écriture c'est la discussion telle. Dans l'écriture on ne fait pas de débat. Sokotali écriture, il faut croire d'abord à l'écriture. Si tu lis l'écriture, il faut croire à cela. Tolobaki boye. Nous avions dit ceci.
acte 1. Lorsque tu lis acte chapitre 1. Le verset 21. Le verset 21. D'abord, il faut y baboyer. D'abord, tu dois savoir. Makamboyo, Pierre, Azosalamona Bandeko, ensemble. Pourquoi? Pourquoi Pierre faisait ces choses avec les frères ensemble? N'appuie d'abord Jean 20, verset 20. Je te donne d'abord Jean 20, le verset 20. Parce que beaucoup ne comprennent pas en lisant les Écritures. Jean 20, verset 20. Jean 20, le verset 20. Lorsque Jésus fut ressuscité, verset 19. Je commence au verset 19. Le soir de ces jours, qui était le premier de la semaine? Pourquoi y a mon colouane zala qui mon colali bosso y a bosso? Première la semaine zaga journée. Dimanche, ok. Zaga lundi, tel lundi zaga deuxième jour de la semaine. Voilà la Bible. Là dans la Bible. Septième jour de la semaine zaga bosso samedi. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit que la paix soit avec vous. Verset 20 maintenant à Jean 20. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, Père Azaka n'a envoyé mon corps. Donc, le Père n'a qu'un seul envoyé. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais Jésus Azana les envoyés. Mais Jésus a des envoyés au pluriel. Donc, nous nous sommes les envoyés au pluriel d'un seul envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce que Jésus a consacré? Est-ce que Jésus avait menti? Voilà avant acte 2. Là, avant acte 2. Amen. Tant qu'il a dit, recevez le Saint-Esprit. Lorsqu'il a dit, recevez le Saint-Esprit. Luc 24, le dit comme ceci. Ma question réponse ça va bien. Les questions se sont et puis ça va lumière dans ma cambébéré. Donne des lumières sur beaucoup de choses. Dans Luc 24 maintenant. Dans Luc 24 bien aimé. Alobi Boye. Il dit ceci. À partir il y a verset 40. À partir du verset 40. Dans jusqu'à verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Recevez le Saint-Esprit. Là-bas, lorsqu'il leur avait dit recevez le Saint-Esprit. Luc a l'obé, c'était l'ouverture de l'intelligence. Luc dit que ça là qui n'est qu'au fond, ou à maïa maïa, les deux à mon limo. Pour pas comprendre l'écriture. Pour pas sosola ma. Il y a beaucoup de monde avant que Saint-Esprit venait descendre. C'est pourquoi vous verrez qu'avant vraiment la descente du Saint-Esprit. Quand vous m'avez dit qu'il y a acte 1, lorsqu'ils étaient là tous dans acte 1, psaume 69. Psaume 69. Non, psaume 129. Et psaume 129. À comment, comment y a Judas était. Là-bas, on n'avait pas écrit noir sur blanc Judas l'Iscariote. Mais Pierre a découvert que prophétie, on est le bel Judas. Mais Pierre a découvert que cette prophétie parle au sujet de Judas. Et ça, pour nous en bas, il y a eu recevoir les sept. C'est parce que Jésus leur avait dit bon, sois moli, mon centre. Et Luc 24, il y a un bofongoli à Mayele. Et Luc 24, elle a appelé l'ouverture de l'intelligence. Donc, Moussala ou Bazon Sala. Donc, l'œuvre.
œuvre qu'ils sont en train de faire. Même si c'était avant qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Ils avaient déjà l'ouverture de l'intelligence pour comprendre ces écritures. Et de faire les choses d'après l'ouverture de l'intelligence qu'ils avaient reçue. C'est pourquoi tu vas remarquer Pierre. Verset 16. Il a commencé au verset 16. Il y a acte 1. Dans chapitre 1. On a déjà basé ouverture de l'intelligence par recevoir le Saint-Esprit. Là déjà, ils ont reçu l'ouverture d'intelligence par recevoir le Saint-Esprit. Homme frère. Nazana acte 1. Homme frère. Il fallait que s'accomplisse que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance. Et c'est que là qui est coquille sa ma oyo mon centre à Katani Komi à l'obaka ou takala par la bouche de David. Nanzela mon okwada aussi j'ai des Judas. Nao etali Judas. Donc à mon vraiment n'attend on a que écriture et zagolo benana Judas Iscariot. Donc Pierre a vu vraiment c'est là que cette écriture parle au sujet de Judas. C'est parce que Jésus avait dit recevez les Saint-Esprit. Et ça là qui pourrait sur l'obaka qui pose soit mon lit mon centre. Molimo santo wana étape wana ezalaikaka ouverture de l'intelligence. Donc recevoir cet esprit que Jésus avait dit dans cette étape là c'était que l'ouverture de l'intelligence. Et Luc 24 lobaki ezalaki en fait que pas comprendre l'écriture. Et Luc 24 explicite c'était pour la compréhension. Et yango na lota sa témoignage à compréhension écriture. C'est pourquoi je montre les témoignages de la compréhension de l'écriture. A dali vraiment que psaume wana ezakolobela Judas Iscariot. Il a vraiment regardé que ces psaumes là parlaient de Judas Iscariot. C'est parce que l'intelligence était déjà éclairée. C'était parce que leur intelligence était éclairée. Avant le baptême du Saint-Esprit à acte 2. Il y a Moli baptisa Moli Moussant na misala ba Thomas. Nzambe asala ki ndengwana pona bakwa ko accomplir les chiffres 12. Le Seigneur avait cela afin qu'il puisse accomplir les chiffres 12 par rapport à l'apôtre. Par rapport aux apôtres. Dieu a salagé en pambaté. Le Seigneur ne l'avait pas fait en vain. Dans ce qu'on a malam. Nous attendons bien. Paul t'en a zobagisa ma persécution et salemaki déjà. Lorsque Paul. Ma persécution. Les persécutions. Ah, ma persécution, ça vous salema déjà. Les persécutions venaient déjà. Dans ce qu'on a malam. Amen. Maintenant, ce qu'on suit. Non, douzième, c'est la Paul. Mais on continue de l'écriture, bah il faut Jacques. Mais en continuant dans les écritures, on avait tué Jacques. Tant que Babou Jacques n'a pas de 12. Quand on a tué Jacques, dans il fallait sur le boulot qu'on soit. Non, il faut qu'on remplace pour pas qu'on m'accorde. Il fallait qu'on cherche qui a remplacé pour qu'il fasse encore 12. On va souffrir bamba. Tu vas souffrir inutilement. Pour Babou Jacques qu'on persécute, Babou peut pas zoomer ma bombe. Parce que on les persécute. Maintenant, si vous remarquez que Babou Jacques en deux. Maintenant, si tu remarques, on les tue déjà deux ans. Bah, comme ils disent. Donc, il reste 10. Alors, nous, quand on tombe, c'est 2. Maintenant, cherchons encore à remplacer 2. Pour pas qu'on en soit sur 12 apôtres. Pour faire encore 12 apôtres. On est tangéli, ma bé. Là, c'est une mauvaise lecture. Na écriture, Rao. Donc, l'écriture ici, bien aimé. Il était compté parmi nous, verset 17e. Il est à Tangama Kikatina Bissou. Et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec les salaires du crime. Motoyo Oyo a Sombaki Elanga Nalifuti a est tombé. S'est rompu par les milliers du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. Ah, la prophétie. Amen. Or, Judas a koufaka étouffé. Judas était mon pendu étouffé. Mais la prophétie, ils ont présenté Judas. Mais dans la prophétie, on présente Judas comme tombé et les entrailles répandues. Vous en avez là, moi. Suivez attentivement. Mais Pierre a hésité. Mais Pierre n'avait pas hésité. Quand il regardait Judas, Amikanga, il s'était pendu. Ce n'était pas que Judas était tombé, c'est rompu. Mais la prophétie. Maintenant la prophétie. Alobi azala qui rompu à Panzan. Mais on a dit qu'il était rompu et ses entrailles. Alobi écriture. Il a dit cette écriture. C'est sur le village Judas. Parler de Judas, frère.
C'était une grâce pour moi. C'était une grâce pour que Pierre voie ça. Parce que Naboye Judas a fait qu'il étouffé. Parce que comme ça, Judas était mort étouffé. Mais il y a mon écriture qui a répandu, peut m'entraîner, c'est pimi liban. Mais dans cette écriture, Pierre voit Judas tomber et son corps être rompu, ses entrailles répandues. À quel verset 19e? Verset 19. Il y a acte 1. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem. Que ces chants étaient appelés dans leur langue à Keldama. C'est-à-dire chant disant. Là, c'est notre chant, nous. Les sangs de Jésus a acquis un champ pour que nous ayons un lieu de adresse cimetière. Notre adresse en Israël, c'est le cimetière. Si on te cite en Israël, accepte la mort. Si tu ne meurs, on te verra comme un fantôme. Donc il faut qu'on se repentir. Qu'on se libère avec le péché. Que tu te libères du péché que tu as. On a délivré complètement. Que tu sois complètement délivré. On a repos na yo. Et tu as ton lieu de repos. À quel dama? À quel dama? Mais pèse à moi. Mais cela donne la vie. Or il est écrit dans les livres des psaumes. Oh, et comment mi? Zokande comment mi na mokanda loye? Que sa demeure devienne déserte. Et que personne ne l'habite. Mais écriture non sur Pierre a compris parce que Dieu avait soufflé l'esprit. Pierre avait compris toutes ces écritures parce que le Seigneur avait soufflé l'esprit. N'a pas insisté. J'insiste sur ça. Et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tous les temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis il fit cette prière. Frère Basabela. Frère, ils avaient prié. Qu'on méprise les camarades. Il ne faut pas mépriser. D'abord, ils étaient déjà éclairés dans leur esprit. Donc, leur esprit était déjà éclairé. Ne pense pas qu'ils étaient vides, frère. Déjà, passage les gars qui recevaient l'esprit. Déjà, le passage de recevaient l'esprit. Parce qu'ils ne peuvent pas mépriser leur choix. Parce que les gens méprisent ces choix. Il faut bien lire la Bible. Procédure nionsoyo. Toute cette procédure, c'est parce que Dieu leur a éclairé l'esprit. Et cela qui peut s'appeler angengi sa qui maïle na bango. Et puis ils ont prié. Puis il fit cette prière. Seigneur, Kolo, toi qui connais le cœur de tous, désigne qui avait choisi. Et ça, c'était eux. Mais l'écriture est claire. L'écriture est claire. Désigne lequel de ces deux tu as choisi. Talisa nani na katia bande komi bale yo. Afin qu'il ait part à ce ministère. Boya soit ici kana lotomo. Et à cet apostolat. Que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Boyo Judas ya tiki pa kende ne sika. Il tirait au sort. Bango babeta ki. Le sort tomba sur Matthias. Mais c'est quoi qu'il colla de ko Matthias. Mais cela se fait avec la prière. Et ça la maquine n'a le sang et l'ongo. Et ils ont dit que ce n'est pas nous. Ils ont tenu de vous désigner. Ils avaient dit que ce n'est pas nous qui allons désigner. Seigneur, désigne. Kolo yo moko talisa. Ils avaient foi. Masala qui n'a prière n'a le sang. Tango batire. Tango. Lorsqu'ils ont tiré au sort. Ah, tu es choisi par le Seigneur. Matthias, tu es choisi par le Seigneur. C'est ça. Yango de l'ikomi.
Et Dieu l'a fait avant acte 2. Et le Seigneur l'a parce fait. Parce qu'il a besoin chiffre 12 au Yézala. Parce qu'il avait besoin d'accomplir le chiffre 12. Que Dieu bénisse. Donc c'est ça, il fallait n'a pas que sa réponse Oyo. Il fallait que j'ajoute cet argument. Maintenant, nous avions dit ceci. Dans Matthieu chapitre 16. Fondement au Simbi Église. Le fondement qui soutient l'Église. Ezande Christ, le Fils de Dieu vivant. Zaline Christ au moins dans Zambé na Bomoi. Maintenant, fondement au Simbi Ville. Maintenant, le fondement qui soutient les villes de la ville. La ville de Dieu. Il y a Jérusalem. De Jérusalem, c'est la ville. Ville Jérusalem et Zion Angai. Cette ville-là, c'est toi et moi. Naba Paul, Naba Pierre, puisque dans cette ville, l'épouse de l'agneau. Les Paul et tous les apôtres, nous tous, nous composons cette ville de l'agneau. Mais fondement à Mirail. Mais le fondement de la Mirail. Et ça, 12 noms des apôtres. C'est le fondement avec 12 noms des 12 apôtres. Jamais Zamba peut bâtir sa ville na combo ya bateau ba mortel. Jamais le Seigneur ne bâtira sa ville sur le nom de mortel de la terre. Quand on dit les 12 noms, lorsqu'on nous parle des 12 noms, Bazolo de là, des grâces au Ezalaki na Katia na Bango. On parle des grâces qui étaient dans ces apôtres. Parce que déjà dans Matthieu 16, fondement Ezan de Christ et Yemoko. Le fondement c'est le Christ de Jésus lui-même. Soit 12 noms, nous sommes cotisamment dans Matthieu 16. Quand ces 12 noms-là des 12 apôtres, fais-les entrer dans Matthieu 16. Tu suis attentivement. Dans le temps de Balobi, les 12 noms. Lorsqu'on parle des 12 noms. Et ça, par rapport à ma grâce. C'est par rapport aux grâces. Olani Malam. Tu suis attentivement. Parce que Dieu ne peut jamais construire sa ville par les noms des hommes. Parce que le Seigneur ne peut jamais construire sa ville sur le nom des mortels. Olani Malam. Yango Moni a tongi église Nicolas a fils. De Dieu. C'est pourquoi il a bâti son église sur le Fils de Dieu. Fils de Dieu, tel Saka, Fils de l'Esprit. Moi, n'azabé tel Saka, moi, n'ayamoli. Oyazana, victoire sur la mort. Oyazana, longa Nicolas Liwa. Et Dieu bénisse. Amen. Et que la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun. Et que la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun. Et toi, et que Zambé a koye bako soukabiso davantage. Savons que le Seigneur saura nous assister davantage. On n'est pas composé ma question, il faut toujours nous composer ma question. Ne te lasse pas de poser des questions, il faut toujours. À force, vous posez des peu compréhension et m'attaque. À force de poser des questions, la compréhension augmente. Nous sommes très très patients pour nous travailler. Nous allons monter ma moulaï, ma case pour nous travailler. Nous sommes pressés. Nous ne sommes pas pressés. Nous avons besoin vraiment de travailler. Parce que tu as un cœur. Et tu es en train de combattre en lui. Et ça a l'assurance. Et l'assurance. Que Christ a tout vaincu. Que le Seigneur a tout vaincu. Que la paix du Seigneur est en Que la paix du Seigneur soit avec toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen.